en cette journée internationale des droits des femmes. Stéphanie Clé, je suis enseignante ici à l'École des métiers de la construction. Ça fait déjà 2 ans. Est-ce que tu travailles ici en partiel? De temps en temps sur les chantiers. Jean Boulay enfile ses bottes de travail. Qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Mon père, il travaille dans la construction puis il m'a parlé de ce métier-là. De quel âge? J'ai 20 ans. Monsieur Boulay, il y a un dicton qui dit « quand la construction va, tout va ». Comment ça se passe actuellement dans l'industrie? Ça va extrêmement bien, puis dans les années à venir, on aura des besoins immenses. Logements, hôpitaux, filières batteries, etc. La demande est forte, ça prend de la main-d'œuvre additionnelle. L'industrie de la construction doit ouvrir ses portes à toutes les femmes qui veulent devenir des peintres, des charpentières menuisières, des ferblantières et autres. En 2023, près de 7500 femmes ont travaillé sur les chantiers au Québec. Elles représentent donc 3,8% de la main-d'œuvre de la construction. Les défis auxquels elles sont confrontées sont nombreux. Je suis allé sur des chantiers. Il y a des femmes qui m'ont témoigné qu'il y a moins de menaces, moins d'intimidation, moins de harcèlement, mais il y en a encore trop. Donc, il faut s'améliorer, se conscientiser, dénoncer les situations qui sont incompatibles avec la rétention des femmes. Donc, il y a encore du travail à faire. La problématique, c'est que les employeurs ne veulent seulement que ne pas les embaucher. C'est ça qui se passe. Il faut que ça change, c'est certain. On en connaît des filles, ils sont compétentes, ils sont travaillantes, ils sont perfectionnistes. Je pense que c'est un plus pour l'industrie de la construction. Depuis 2015, un programme existe afin de favoriser la présence des femmes dans les métiers de la construction. Cette année marque donc la fin d'un cycle de ce programme d'accès. Les femmes de métier et de titre occupationnel vont recevoir une invitation de la Commission de la construction du Québec à compter de la semaine prochaine pour répondre à un sondage, mais également celles qui ont quitté depuis 5 ans. On va vouloir les entendre sur qu'est-ce qui les a aidées, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile, est-ce qu'ils ont des solutions à nous proposer. On va aussi aller sonder les entreprises de construction. Ça va être une des pierres importantes pour être à l'écoute et bâtir un plan d'action qui sera adéquat. Un projet de loi dont il faut parler, c'est le projet de loi 51. Mobilité, polyvalence, vous voulez décloisonner des métiers. Il faut permettre aux travailleurs et travailleuses d'être plus polyvalents. Ça ne veut pas dire que ça ait un impact négatif sur la qualité de la construction. Il ne faut pas que ça soit incompatible avec les compétences des travailleurs et travailleuses. J'ai l'intention de continuer à écouter. C'est un projet de loi que je considère modéré, équilibré, mais aussi perfectible. Les consultations particulières pour le projet de loi 51 doivent débuter la semaine prochaine. On va se faire entendre, on a nos recommandations. On veut que les Québécois aient une industrie de la construction compétente, qualifiée. C'est ce qu'on a présentement. Elle est productive, c'est contraire à ce que le gouvernement dit présentement. On va le démontrer en commission parlementaire, on va servir de toutes les tribunes qu'on peut pour démontrer que l'industrie est capable de performer. Mais pas avec le projet de loi en tant que tel. Moi, je vais les étudier avec beaucoup d'attention et de considération. Et le projet de loi va tenir compte de ce qui a été fait. Et moi, je me fie beaucoup à ce que les groupes vont nous présenter. ND Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.